Docteur Denise Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, est placée sous la garde des forces de sécurité des Nations Unies en République démocratique du Congo, a publié BBC News ce vendredi 11 septembre. Cette mesure fait suite aux menaces de mort qu'il a reçues ces derniers mois. Les craintes pour la sécurité du docteur Mukwege se sont ravivées après qu'il ait déclaré en juillet que lui et ses proches avaient reçu des menaces de mort. Le 11 août dernier, il s'est exprimé ouvertement sur un certain nombre de questions concernant la violence en République démocratique du Congo, de quoi stimuler le nombre de menaces. Cela a incité des centaines de personnes à manifester sur la toile, appelant à sa protection. Le gynécologue avait été victime d'une tentative d'assassinat en 2012, dans laquelle un ami de longue date est mort en voulant le protéger. Ce vendredi, Amnesty International a exigé des mesures urgentes et concrètes pour le protéger. Le gynécologue et ses collègues ont traité des dizaines de milliers de victimes de viol dans son hôpital Panzi créé en 1999.